Nous pouvons chapitre logarithme, part 2. Alors, classwork, question N. Convert from exponential form to logarithmic form. Partie A. 4 raised to the power of 3 is equal to 64. Alors, nous pouvons écrire tout logarithmic form. The logarithmic form, nous commençons avec power. Alors, power là, les 3. 3 is equal to log. De la base, nous écrivons en bas. Et answer de 64, nous écrivons ici. Next part B. 5. Allez, rappelez bien de logarithmic form. Avant, nous écrivons power égale log. De la base vient en bas. Base là, les 2. Avec answer de 32. Next part C, il pouvait venir 3 égale log. Base de 5. Answer de 125. Partie D. Power de 2 égale log base de 6, answer de 36. Partie E, négative 5, c'est power égale log base de 2 et answer de 32. Next, partie F, power de négative 4 égale log base de 3 et answer de 81. Next, partie G, power de 2 égale log base de A et answer de B. Partie H, power li y égale log base li x answer li 4. Partie I, power li b, alors quand on met le subject of formula li vient un logarithm, alors base li a et answer li c. Next question 2, convert from logarithmic form to exponential form. Alors comment nous pouvons faire ça? Base li ici, ça c'est base égale log là, log c'est power, ça n'a qui vient power, log égale 2, veut dire power égale 2, et answer là, les 4, ça li pour égal 4. Next ici, base de 2, log égale, veut dire ça c'est power, et answer de 64. Next ici, log of base de 5, log là, les 0, veut dire power de 0, parce qu'il dit log égale 0, veut dire power égale 0, et answer là, les n. Ici, il y a 3 power 2 égale 9. Il y a 3 power 2 égale 9. Ici, il y a 36 power half. 36 power half égale. Ici, answer li 6. Next, nous check partie F. Base de 8. Log li n sur 3. Veut dire power li n sur 3. Et answer la li ici de 2. Next partie G. Base de x. Log li 0. Log égale 0. Veut dire power li 0. Et answer de n. Partie h, base de x. Ici, log égale y, veut dire ça c'est nous power égale. Et answer de 8. Et partie i, e. Avec ici, ça c'est log c égale de b. Alors pour faire ça, ben de voilà une deuxième technique. Deuxième technique là, que je vais expliquer. C'est ce qui nous fait, nous capable prendre ça équation là, nous quitte ça 4 là la même, nous prenons log. Base 2 nous envoyons à droite. Là, il y a 2 power ça ici. Là. Il y a 2 power 2. Regardez comment ici. Nous quittons 64 ici. Nous prenons log là, nous envoyons de l'autre côté. Log base 2 quand nous envoyons de l'autre côté, il y a 2 power 6. Ça, c'est quand nous prenons log, nous envoyons de l'autre côté equal. Et dans log base 5, nous pouvons envoyer à droite. Il y a n égale de la 5 power right hand side. 5 power 0. Et si nous prenons log base 3, nous envoyons à droite. Pour S9 à gauche, il devine 3 power 2. Il devine 3 power 2. Et ici, log 36, nous pouvons aller à droite. Pour S6 à gauche, il devine 36 power half. Ok, partout, il peut comme ça, ici, 2 pour égal 8 power n tiers. N pour égal x power 0. 8 pour égal x power y. B égale a power c. Question 3. Solve each of the following equations. Nous pouvons besoin solve some equation là. Ici, vous trouvez qu'il y a un unknown là, li de answer, que li pouvin de exponential form. Ça c'est base, ça c'est power, ça c'est answer. Alors, pour faire ça des voilà, nous pouvons besoin convert faire li vin de exponential form. Alors, quand nous faisons li vin exponential form, une petite technique, vous prenez log base 2 ou envoyez li à droite. Pour S x, quand nous prenons log base 2, nous envoyez l'autre côté, là, ça base là, li vin là. Le la answer la li pou vin 4. Alors, x pou vin 2 power 4, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, fait 16. Ça, c'est réponse. Next, partie C. Nous fait partie B avant. Log base 3, nous envoyons li à droite.
pour x égale, là nous prenons b ça, 3 power right hand side, les 2, divin x égale 3 power 2, divin 9. Next part, c'est log b5, nous avons à droite, divin x égale, b ça, les 5, divin 5 power 4. Alors, x pour vin, si nous évaluons 5 power 4, réponse pour vin, 625. Next, nous répondons part d. Ici, log b3, nous avons à droite, pour x égale, les bovines 3 power right hand side divin half. Et que ça nous capable de faire une calculatrice pour évaluer. Alors 3 power half. Alors 3 power half. Alors si nous évaluer, vous trouvez dit irrational. Alors divin n.c3 correct to free significant figures. Next, nous continuons. Ok, question 3 nous terminons. À cette partie E, 3 sur partie E. Alors ici, vous trouvez log base x, nous pouvons avoir à droite pour 27 ici. Les bovines x power right hand side, x power 3. La next side equation, nous sommes capables de solve x power 3 égale 27. X power 3 égale 27, c'est 3 power 3. Alors power pareil, nous pouvons équer base de la x bovine 3. Next partie f, pareil, nous prenons log base x, nous avons à droite pour 3125 égale x power 5. De la next, ce que nous pouvons faire. Nous avons besoin de connaître qui chiffre. Nous sommes capables de connaître ça, c'est la calculatrice. Alors, 5 power qui chiffre, les pouvines 3125. Nous sommes capables de checker 5 fois 5 fois 5. Si nous faisons 3 fois, ou si nous faisons 4 fois, vous pouvez trouver les 625. Si nous faisons une cinquième fois, vous trouvez les 3125. Et les 3125, c'est 5 power 5 égale x power 5. Alors, power pareil, nous pouvons équer base x pour 5. Next partie G, nous prenons log base 2, nous avons dit à droite pour x retient 1 égale, d'aller pour 2 power right hand side 4, x retient 1 égale 2 power 4, fait 16, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, x pour 16 plus 1, réponse x pour 17. Next partie H, pareil, nous prenons log base 5, nous avons dit à droite pour 2 retient 3 x égale, divin 5 power 3. 2 retire 3x pour vin. 5 power 3, 5 fois 5, 25 fois 5 fait 125. La négative 3x pour vin, 125 retire 2. X 125 retire 2, il fait 123. Et next, x pour vin, 123 divise par négative 3. Ici, positive, négative nous combine. Les pour vin négative. X 123 divise par 3. Ok, il fait 41. Alors, réponse pour vin, négative 41 pour partie H. Next, question 3 nous terminée. Nous allons à la question 4. Alors, la ligne dit convert from exponential form to logarithmic form. Note, use LG to represent log to base 10. Alors, là, nous pouvons servir un autre bouton ici. Je vous trouvez et un log. Nous connaissons le log et un base qui nous mettait ici. Par exemple, base 3. Nous capable sens base. Ça mettait base 4. À ce un special base. Vous trouvez un special base. Nous appelons ça log base 10. Ok, ça c'est common logarithm. Alors, log base 10 de par exemple 6. Nous pouvons évaluer 0.778. Mais un bouton spécial pour log base 10. Que vous trouvez là. Ça c'est log base 10. Et il existe log là-dedans. Alors, vous ne pouvez pas mettre aucun base parce que c'est infini programmé, ça c'est base 10. La soupe tape log base, log de 3. Vous trouvez les bovines 0.477. Peut-être ça bouton log là, rappelle bien infini programmé, ça base ça les 10. Si on vit sans ou base, ou on vit mettre ou base, là où servir ça bouton là. Mais ça bouton ici log là, les 10 base 10. Après, ça même appelle LG. LG, il représente log to base 10. Alors, l'indice fait exponential form in logarithmic form. Get par exemple partie A. Partie A, il y a 10 power 3 is equal to 1000. Nous faisons la logarithmic form. Alors, power li 3 égale log. Là, ici, base là, li 10. Answer là, li 1000. Alors, il y a écrit l'équation là, servi LG. Alors, 3 pour égal log base 10, ça nous a été représenté par LG. Alors, ça, li vin LG 1000. Alors, 3 c'est LG 1000. Alors, si vous tapez dans la calculatrice LG, LG c'est log to base 10. Alors, soit vous tapez comme ça, log to base 10, ok, de 1000, ça l'est pour 23. Ou nous capable de servir ça bouton log là, nous tapons 1000 là-dedans,
Où vous trouvez qui répond à pour 23. Alors, ça log base 10 là, nous représente par LG. Alors, pareil pour partie B, si nous mettons dans logarithmic form, nous pouvons 2 égale power égale log base 10 de answer de 100. Alors, si nous servons LG, nous pouvons 2 égale log base 10 nous représente par LG. Ça, c'est LG 100. Next partie C, nous pouvons 6 égale log de base 10 de 1 million. Alors, si nous écrivons en termes LG, nous pouvons 6 égale LG de 1 million. Next partie D, ici x power égale log to base 10 de answer 2. Alors, servi LG, devine x égale LG de 2. Next partie E, nous mettons dans logarithmic form, devine x égale log to base 10 de answer 0.06. Nous mettons en termes LG, devine x égale log to base 10, c'est LG. 0.06. Question 5, partie A. Convert from logarithmic form to exponential form. Alors ici, vous pouvez trouver un LG 100 000 égale 5. Alors LG, rappelle bien, c'est log to base 10. Et par tout côté, un LG, c'est log to base 10, log to base 10, log to base 10. Alors nous avons mis dans exponential form. Alors comment nous faisons ça? Nous prenons log to base 10, nous envoyons à droite pour 100 000. Égal, comment vous expliquez tout à l'heure là, il vient 10 power 5. Alors quand on prend LG dans l'autre côté, il vient 10 power right hand side. Et comment ici quand on prend LG dans l'autre côté, pour S10 à droite, à gauche pour S10, de l'autre côté, il vient sa base la power answer, il vient 10 power n. Et ici, on prend LG dans l'autre à droite, pour SX égale, là, il vient 10 power 7.5. Ici, on prend LG 10 dans l'autre à droite, pour SX égale, LG dans l'autre côté, LG c'est log to base 10, il vient 10 power right hand side. Next, ici, on prend LG dans l'autre à droite, pour SX à gauche, égale, il vient 10 power négative, answer li, négative 0.8. Next question 6, just solve each of the following equation, giving your answer to FreeSF. Alors, regarde cette question-là. On a LG x égale 5.n, nous avons besoin de x. Nous pouvons prendre LG, nous pouvons envoyer à droite. Rappelle bien, LG, c'est log to base 10. Alors, nous avons 10 power 5.n. Get partie B, pareil. Ici, LG, nous pouvons envoyer à droite. Nous avons x égale 10 power 3.n6. Rappelle bien, LG, c'est base 10. Et partie C, nous avons LG à droite. Nous avons x égale 10 power négative 0.3. Et partie D, x pour égal. Nous avons LG à droite. Nous avons 10 power négative 2.8.4. Alors, tout ça, on peut évaluer le service calculatrice. Premier, 10 power 5.n, on peut trouver tout. Il y a une réponse de free SF. Alors, réponse, il y a une longue réponse 125892.54n2 to free SF, il vient ici. Alors, il vient n2. Chiffre après, il est 8, nous ajoutons n, il vient 6. Ça va être digital, il avant décimal point, nous remplacer par 0. Alors, to free SF, il vient 126 000. Next. Partie C là, vous trouvez, si nous faisons 10 power négative 0.3, ça, to free SF, les pouvins 0.50n. Partie B, vous trouvez x pouvins, si vous faites 10 power 3.n6, réponse pouvins 1445.4, il y a les mêmes, mais to free SF, les pouvins 1400. Nous calculons 4 chiffres après les 5, nous ajoutons n, les pouvins 145, nous remplaçons ça digit là par 0, les pouvins 1450. Et partie D, si nous évaluons ici, 10 power négative 2.84, ça si nous évaluons, les pouvons dans la standard form, vous trouvez les 1.45 fois 10 power négative 3, mais si nous écrivons, nous avons 1, 2, 3. Décimal pointant, nous avons 3 pas à gauche, vous trouvez les pouvons 0.00n45. Vous trouvez les 2 free significant figures.